Salut à tous! On m'a demandé dans une précédente vidéo de faire une salle de classe de poupées. Alors c'est parti! Je commence tout d'abord par prendre un gros carton plus grand que celle d'une chambre de poupée. Je commence par imprimer le motif pour le sol. Tu trouveras tous les liens dans la description. Pour les murs, j'ai choisi deux formes de papier gris-rose. C'est parti! Je vais coller le tout et voici ce que ça donne. J'ai aussi choisi un autre motif de papier pour cacher les bords et rendre le tout plus sympa en même temps. Alors dans l'ensemble, je trouve que c'est pas mal et ça donne vraiment un look de salle de classe. Alors ensuite, il faut bien sûr ajouter les tables et les chaises. Pour cela, j'ai choisi un carton et pour vous aider sur les mesures, j'ai pris ma règle et on peut voir plus clairement comme ici, c'est 16 et 5,5. Ensuite, je le couvre de papier et voici ce que ça donne. J'ai pris une machine à trous pour m'aider sur les pieds. Je fais des trous sur tous les côtés du carton. Je prends deux petits cartons que je couvre de papier blanc pour ensuite cacher les trous de la table. On pouvait aussi faire avec de simples feuilles. Donc, sur le bas de la table, je prends une colle forte et je vais coller des pailles pour faire les pieds de la table. Des pailles qui sont de la même taille que les trous faits par la machine. Pour maintenir encore plus, je vais prendre un autre morceau de paille que je vais coller au milieu. Une fois la colle séchée, on peut donc voir que la table peut se tenir facilement. Je trouve que la table est très haute. Je vais donc couper les pieds pour une bonne hauteur. J'ai aussi fait des bancs de la même manière avec des pieds plus petits. J'ai pris une chaise de Barbie pour la maîtresse. Je colle le tableau que vous pouvez imprimer, voir le lien dans la description. J'ajoute une porte, une horloge au-dessus, quelques fenêtres et avec une carte du monde. J'ai aussi ajouté un calendrier pour représenter l'année 2017-2018. Et voilà, notre salle de classe pour poupées est prête. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter et partager pour d'autres DIY. Et bien sûr, abonne-toi si ce n'est toujours pas fait. Bisous et à bientôt.